Salut à toi, jeune Viber. C'est Lexa. Et Johan. Aujourd'hui, on te propose une émission de ouf avec un duel au sommet. Et ça va être totalement dingue parce qu'on reçoit ici, sur le plateau de Nickelodeon Vibes, le grand gagnant du concours Lego City, Enzo. Qui est là pour affronter l'homme aux mille talents, Newtitan, bien sûr. Et ce combat de titans sera arbitré par des âmes pures, au cœur noble et incorruptible. Nous quoi? Allez, c'est parti! Bienvenue dans Nickelodeon Vibes. Cette semaine, on est plutôt nombreux sur le plateau puisqu'on a la chance de recevoir le grand gagnant du concours Lego City, Enzo. C'est moi. Alors Enzo, comment ça va? Oh, très bien, et vous? Mais ça va? Ça va super bien. Cool. Et Enzo est là pour affronter le champion en titre toute catégorie, Newtitan. Coucou, ça fait plaisir de vous retrouver et ça fait plaisir de rencontrer Enzo aussi, bravo à toi. Merci. Par contre, je stresse parce que t'as l'air d'avoir un niveau mais énorme. C'est clair. Mmh. Ah ben ça, je comprends que tu sois stressé parce que là, on a quand même du level. Est-ce que toi, ça va? T'es relax, t'es détendu, Enzo? On est bien? T'es prêt à mettre la misère à Newtitan? Carrément. Oh, wow. Wow, Vous êtes censés être des arbitres incorruptibles. Mais on l'est. On l'est. Mais enfin, oui, on n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ouais. En tout cas, tu peux avoir peur parce que ici, nous avons le grand gagnant du concours Lego City. Et on a vu ta création. Moi, j'appelle ça une création. Je serais incapable de faire ça. Oui. Et c'est magnifique. Comment tu as fait ça? Ça t'est venu comment, l'idée? C'est une voiture sublime. Oh. Avec une tyrolienne. Une tyrolienne. Wow. Et voilà. On va la remettre. Il casse toujours tout. Mais oui, moi, je suis tellement impatient mais de voir. Mais c'est incroyable, ouais, ce que t'as fait quand même. Hop, parfait. Et du coup, la tyrolienne. Mais t'as fait tout ce qui était effectivement. En fait, c'est un cascadeur. Demandé dans le challenge. Mais oui, il y a des flammes, il y a un cerf. C'est beau, la voiture, mais c'est. Comment ça t'est venu l'idée de faire ça? C'est juste mon imagination qui a parlé et. Bah, elle a très bien parlé. Pas de limite avec Lego. Elle est magnifique. C'est sublime. Pas de limite. En tout cas, c'est incroyable ce que t'as fait. Et dis-moi combien de temps ça t'a pris pour le faire? Moins d'une heure. Moins d'une heure. Moins d'une heure. Moins d'une heure. Ah oui, d'accord, on a bien fait de faire. Mais j'ai perdu directement. C'est sûr, le challenge, ça va être très dur là. Oh, bon, merci beaucoup. Là, on a deux adversaires géniaux et pour ce nouveau challenge, on a pris les nouveautés Lego City et on avait le choix entre le navire d'exploration arctique, le complexe de ski et d'escalade, le skatepark urbain et le bateau d'exploration des fonds marins. Et on a décidé. Roulement de tambour. Que vous alliez vous défier sur. Et pour ça, vous allez devoir imaginer ce que le sous-marin va découvrir dans les profondeurs. Donc vous avez à disposition plein de briques de construction Lego pour le faire. Je vous propose donc de démarrer tout de suite cette compétition de géants. C'est parti. Youpi. Et c'est parti pour le challenge. Youpi. Let's go. Une grande concentration ici. Allez-y, allez-y. Waouh. Il nous fait des trucs. Ouh. Je pense que moi, de mon côté, ça avance plutôt bien, Yoann. Bah, ici, ça avance très très bien aussi, même si je vois que là-bas, ça a une tête. Je comprends ce que tu es en train de construire. Toi, j'ai pas encore compris. Il reste pas beaucoup de temps. Déjà? Mais oui, ça va vite. Enzo va très très vite. Je vais essayer de faire les vestiges d'un bateau. Oui, t'as vraiment de l'imagination. Mais c'est quand même assez frustrant parce qu'on a envie de les aider quand même. Ah, génial. Tu peux commencer. Ah, c'est génial. Ah oui, vous avancez très très bien ici aussi. On est sur deux champions. Mais c'est beau ça. C'est sympa, hein? Oui. Dans le bateau, tu vois, il y avait un coffre. Et hop, je me suis dit. Où t'as trouvé un coffre? Il fallait mieux chercher. Et moi, j'ai un squelette. Oh, chanceux! Ah, bah, moi aussi, j'ai un squelette. Ce sont les dernières secondes. Ah, les derniers instants. Attention! 3, 2, 1, 0! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez fini le challenge. Nous allons donc découvrir les œuvres de nos artistes Lego City. Ça y est, c'est fini. Vous avez vraiment fait des belles choses. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, montre-nous ce que tu as imaginé, Enzo. En gros, il y avait deux personnes dans le sous-marin, sauf qu'ils sont partis en expédition avant parce qu'ils étaient impatients. Déjà, le premier veut aller explorer tout au fond et l'autre, un peu têtu, a oublié son casque de l'autre côté, par contre. Ah. C'est pas pratique. Le problème, c'est que ici, c'est la maison des requins et les requins sont pas contents. Parce qu'en fait, avant, c'était le vestige d'un ancien sous-marin et les requins l'ont pas aimé, l'ont détruit et tous ceux qui s'aventurent ici, ils ont pas intérêt à venir. Voilà, ça, Et toi, Newtitan, quelle est l'histoire de ton œuvre Lego City?
Eh ben écoute, moi c'est juste des requins qui mangent des gens dans un bateau. Et dans ton coffre, t'avais y a rien. Je pense que quelqu'un. Y avait des coraux. Non, là il y a un poisson dans le coffre, mais c'est tout. Et donc il y a eu un festin. Alors eux aussi, tu vois, on a un thème un peu commun. Moi, ils ont mangé des gens, mais il y a pas trop de raison. Moi, j'aime bien parce que il y a une histoire dans son. Il y a vraiment un scénario, tu vois. C'est vestiges d'un ancien sous-marin, tout ça. On va voir. Donc je crois qu'il est temps de délibérer. T'as fait plus de déco que moi. Oui, mais toi, il y a une belle histoire. Et des fois, l'histoire, c'est ça qui compte. On a un très très gros niveau entre nos deux candidats. Et franchement, c'est pas facile de vous départager quand même. Ouais. Qui est le gagnant? Eh bien... Après une délibération intense de nous, le jury, nous avons décidé de décerner ce trophée, Lego ce titre, City. Lego City à... Et bien sûr, tu repars avec toutes ces boîtes de construction Lego City pour continuer l'aventure chez toi, Enzo. Bravo, merci. Enzo. Est-ce que t'es content? Oh oui, trop. Et tu aurais dû gagner aussi. En tout cas, les amis, merci d'avoir relevé le défi. Je crois que tu as trouvé ton maître. Hein, vraiment. J'ai bien l'impression, Enzo, ça t'a plu? Oui. Et je suis content d'être ton maître. Maître Lego. Mais est-ce que du coup le maître et l'apprenti ne peuvent pas fusionner leur création? Ça se dirait ça? C'est une trop bonne idée. Allez, mais j'adore. Génial. En tout cas, nous avons des grands fonds marins. N'oubliez pas, papa Shark, c'est bon. Hop. J'ai cassé un peu. C'est pas grave, comme ça donne plus ça donne un effet déconstruit. C'est joli. Mais en tout cas, Enzo, c'est une victoire amplement méritée. Bravo. Bravo. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. C'était une émission super cool avec nos deux héros du jour, Enzo et New Titeuf. Enzo, j'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Alors, c'était ta première fois sur un plateau télé. Ouais. T'as vu toute l'équipe, t'as aimé? Ouais, j'ai adoré. C'était cool. Tout le monde a été gentil avec toi? Oui. C'est parfait, alors. Et alors, ça t'a plu de voir les coulisses de Nickelodeon Vibes? Vraiment plus, en fait. Oh. Et toi, New Titeuf, content d'avoir affronté un jeune homme aussi talentueux? Ben ouais, il a été créatif, il a inventé des choses magnifiques. Écoute, bravo à toi, Enzo, c'était un plaisir de compétiter contre toi. Bravo aussi à toi. Merci. Oh, alors, si toi aussi, tu as des idées avec les nouveautés Lego City, n'hésite pas à nous envoyer une photo, un dessin de ton challenge de rêve, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag NickelodeonVibes. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Et nous, on se retrouve très vite pour des tutos, des infos, des challenges et tout. Bisous. Salut. Et toi, nous... Il s'appelle Nounou. Attends, je vais y arriver. Il s'appelle Nounou.